Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. En ce deuxième jour de Star Stables Tour. Donc oui, je suis toujours accompagnée de Silver qui fait la bébête juste à côté de moi. Ma petite renarde. Elle m'ignore en plus. Enfin bref, aujourd'hui, nous allons découvrir six nouveaux chevaux de mes écuries. Donc je vous rappelle qu'ils sont 99. Donc si jamais vous n'avez pas vu les premiers épisodes qui traitent du sujet, je vous renvoie à la playlist, certainement avec une petite notification ou un petit point qui va se promener quelque part à droite ou à gauche. Après tout, je connais ni ma droite ni ma gauche. Donc voilà, comme ça, je me suis autoclash avant que Lutti le fasse. Oui, je te vois, petit lutin, derrière ton écran. Je te vois, Lutti. Donc du coup, nous allons commencer par H. Et voilà! Nous voilà devant le box de H. Donc H, c'est quoi? Bah, c'est un Marwari comme Snow, sauf que lui, c'est un mâle et qu'il est brun et qu'il n'est pas crémello comme Snow. Donc c'est un peu l'équivalent du mâle à Snow parce que c'est un étalon. Donc un cheval entier. Donc qu'est-ce qui m'a fait craquer? C'est Snow, c'est oh, c'est H, pardon. H, donc c'est la couleur et la lisse divisée en deux qu'il a sur le dos. Puis surtout, je voulais avoir un deuxième Maori autre que blanc, parce que ben j'avais envie de changer, voilà. Au cas où, j'avais besoin d'un cheval Maori de couleur baie. Voilà, c'est fait! Donc voilà, c'était juste un petit caprice comme ça au passage. Vous allez voir, il y en a beaucoup des comme ça. Suivant? Allez, la suivante, c'est Acacia. Acacia, qui est la petite jument Shire magique. Donc je les avais loupés la première fois où ils étaient sortis. Donc là où ils étaient sortis pour la première fois, je les avais loupés parce que j'étais en manque de Starcoin. Et oui, à l'époque, j'en achetais pas des Starcoins. Donc oui, mon portefeuille était très longtemps en sueur pendant 1 an et demi. Crédit de voiture. Donc du coup, Acacia, donc c'est la femelle de Broken que vous découvrirez un peu plus tard. Donc pourquoi Acacia? Parce que je voulais un nom, une essence d'arbre pour ce cheval magique, certainement très robuste, d'un modèle qu'on connaît déjà, parce que vous connaissez déjà Scary Kid et Caramel Blazer. Donc je vais pas m'attarder sur Acacia. Donc on va juste regarder. Ah, j'ai encore fait disparaître mon renard! Voilà sa couleur non magique, qui est très très belle et son semblant d'armure dans l'écrin est vraiment très très classe. Et les taches en forme de plume ou de roche sur son dos sont vraiment très élégants. C'est vraiment un très joli cheval. Par contre, il n'est pas très pratique pour faire du RP. Parce que ben, c'est pas RP. Donc du coup, voilà, donc très jolie jument, très jolie couleur en cheval magique, très jolie couleur en cheval non magique. Non, je ne vais pas la démonter, pas comme Jade, qui est tout à fait dégueulasse. Donc du coup, nous allons passer à Zombie, eh oui. Et voilà, nous nous retrouvons face à Zombie. Donc Zombie, c'est le contraire de Wish, que vous avez pu découvrir dans les premiers épisodes. Et oui, je les ai achetés en même temps, sauf que j'ai pas. Donc il me restait plus que Zombie. Je n'allais pas faire un épisode sur Zombie. Faut quand même pas rêver. Déjà parce que bah, Zombie, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que j'aime beaucoup le modèle. Et c'est un Kelpie. Donc le Kelpie est un cheval légendaire qui emmène les gens qui se promènent un peu trop près des marais vers leur mort certaine de noyade. Tout à fait sympa! Ouais, t'es tout à fait d'accord avec moi. Donc, le Kelpie, ben, c'est une créature que je n'aime pas du tout parce que ben, il donne la mort aux gens et j'aime pas les gens qui donnent la mort aux gens. Ça fait beaucoup le mot gens. Donc, du coup, nous allons découvrir sa robe non magique parce que je ne me rappelle plus. Je crois qu'elle est blanche. Donc, allons voir. Donc, vous voyez bien les détails du Kelpie du Marais, donc avec les fleurs dans l'écrin. C'est très joliment détaillé,
comme les plumes de Wish, la robe est toujours très, 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 très bien détaillée là-dessus. Voilà, effectivement, elle était blanche, blanche et grise. Donc, on voit bien, je me trompe de touche. Donc, on voit bien le côté kelpie de ce cheval-là. Je crois que le kelpie est anglais ou écossais. Faut que Hecto se renseigne quelque part par là. Au moment où vous lui grimpez sur le dos, où il vous colle à son corps pour vous amener vers le fond sans que vous puissiez lutter. Tout à fait sympathique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, t'es pas très sympathique. Donc comment vous dire, j'ai pas très toute la paix. En vrai, si. Mais c'est un kelpie. Elle va me tuer. Et si elle me tue, ben, vous avez plus de sissi. Et si elle vous avez plus de sissi. C'est les vacances! Payez plus Star Stable? Oh mon Dieu! Donc du coup, voilà, nous allons passer au suivant qui est juste derrière. Mocking qui est un très très vieux modèle. Let's go! Nous voilà avec Mocking. Donc Mocking, c'est un très 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 vieux modèle de peinture américain. Oula, j'ai retiré, j'ai remis ma barre en bas. Voilà. Non. Comment on fait? Non. A few moments later. Voilà, comme ça. Donc du coup, c'est un ancien modèle du peinture américain. Donc c'est pareil, je crois que c'est le 1.5, c'est dans les tout premiers chevaux, donc c'est pareil, je ne vais pas trop démonter ce qui n'est pas à démonter au niveau des vieux modèles. J'aime beaucoup sa couleur, c'est pour ça aussi que je l'ai pris et j'ai cru qu'il allait disparaître définitivement. Mais malheureusement pour moi, c'était Lookahatter, il me semble, qui est disparu en même temps que notre ami l'Alcateke. Donc voilà. Donc notre petit ami a une très belle robe pinoir. Pareil, la tête est un peu bizarre, les sabots sont un peu bizarres, les allures tout autant. Mais bon, il faut bien un peu de trucs bizarres dans notre monde pour qu'on évite de s'ennuyer. Et oui, sinon, je n'ai pas grand-chose à dire sur Mocking. Juste un peu hâte de l'EP, comme ça, ben voilà. Donc, après, je ne suis pas sûre. Après, il fait partie des vieux modèles, donc je n'ai pas spécialement envie de l'EP jusqu'au niveau 15. C'est pas que j'en vois pas l'utilité, mais. Pour côté nostalgie, je préférais les garder niveau 1. Donc voilà. Après, c'est pas exclu qu'on les zappe, hein, attention. Mais on va dire que j'en ai plein d'autres EP avant. Donc voilà. On ne prend les vieux modèles que lorsque j'aurai plus de nouveaux modèles EP. Est-ce que ça arrivera? Certainement un jour. Donc du coup, voilà. On va passer à Yoga. Yoga, qui est pareil, une jument d'Halloween. Donc, je crois que c'est l'une des premières à être sortie avec l'histoire du cavalier sans tête. Donc, le cavalier qui vient vous arracher la tête. Mais sur Star Stable, ils ont une autre histoire que Hecto vous mettra en lien quelque part dans le montage. Mais il faut savoir que l'histoire de cette jument m'a beaucoup, beaucoup fait pleurer au mois d'octobre. Parce que bah voilà, c'est la jument du cavalier sans tête qui a péri dans les flammes. Son cavalier a tout fait pour essayer de s'en libérer, mais elle n'a pas pu. Lui, s'est fait décapiter sur la place de Jarlahem. Tout à fait sympathique. La jument est revenue des enfers pour pouvoir sauver son, pour pouvoir récupérer l'âme de son cavalier. Franchement, c'était vraiment une très très belle histoire, un peu comme celle du cavalier sans tête de Cipriolo. Hector vous mettra certainement un petit passage quand le cheval y passe ou quand le cavalier sort de l'arbre. Là, ça m'a fait vraiment penser à ça. Non mais... Ouais, je sais bien, le problème c'est que... T'as pensé à Nono? Le petit robot YouTube? À dire qu'il est... Il va péter un plomb, hein. C'est trop trash pour lui. Le pauvre, il va être choqué. Donc à la place,
on va mettre des petites vidéos de chatons tout mignons, hein? Allez. Bien sûr, nous rappelons qu'aucun humain n'a été maltraité durant le tournage. Peut-être Hector à la limite. Donc du coup, je l'ai prise, déjà pour la nostalgie, pour le vieux modèle, mais surtout pour l'histoire de cette jument qui était noire comme les bennes, qui ne pouvait pas être montée. Il y a ce cavalier-là qui arrive de nulle part dans Jorvik, qui arrive à la dompter. Elle périt par la flamme. Enfin bref, ça a été une très très triste histoire et franchement, j'ai adoré l'histoire. Ça a donné un côté un peu plus dramatique au jeu. Comme quoi, tout n'est pas rose, tout n'est pas rose bonbon hein, non plus dans ce jeu-là. La preuve, moi, je ne suis pas rose bonbon. Mais voilà, ça ajoute un peu de drame dans l'histoire. En plus, quand vous faites, lorsque vous êtes Farrider, que vous êtes terminé vos quêtes principales, vous vivez un autre drame. Je n'en dirai pas plus, parce que sinon, ça fait un gros spoil. Pour ceux qui commencent l'histoire et qui sont en train d'arriver à cette histoire-là, pour les Star Riders qui sont niveau max, un peu comme Rose ou... One eternity later. Après, j'en connais pas d'autres qui sont niveau max. Bah si, Manon, tout ça. Vous savez de quoi je parle. C'est triste, et c'est sûr, c'est triste. Je ne sais pas à quel point vous vous en rendez compte, mais c'est triste, c'est pas tout à fait rose bonbon. Y a la pollution, il y a la destruction, il y a des meurtres, il y a la corruption, il y a énormément de choses sur Star Stable qui n'est pas si rose que ça au final. Donc oui, nous avons des bris de licorne, mais hein, un peu de gaieté, un peu dans ce monde, c'est pas un peu trop demandé. Donc du coup, on va en finir avec Kyoga ici et on va s'attaquer à Attack of Titan. Enfin, Attack Titan. Mais vous aurez bien compris, c'est Attack of Titan. Allez, Sasageo, mes amis. Allons voir. J'en connais une qui s'est mis à une attaque de Titan, elle est crevée. Hein. Maya, je vais te donner à bouffer au Titan colossal. À moi. Donc voilà pour l'Attack of... Enfin, Attack Titan. Donc, Attack Titan est un étalon magique, hein, encore, de sous le modèle du pur sang arabe. Il fait exactement partie des chevaux de Noël de l'année dernière, pour le coup. Hein, c'est pas 2022, c'est 2021. Donc, c'était exactement mon deuxième Noël sur SSO. Là, j'entame mon troisième pour tout vous dire qu'on rajeunit pas. Parce que j'avais acheté ce jeu-là pour pallier au 1 an du décès d'Ignir. De Samy, vous ne connaissez pas qui c'est, je vous renvoie vers le lien. C'est pareil, allez pleurer là-haut. Aujourd'hui, on va juste regarder Attack Titan. Donc, Attack Titan, j'ai pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup ces chevaux, enfin, ces touches dorées dans la robe noire et blanche, bien évidemment. Nous allons regarder sa robe non magique, qui est le gris à la crinière noire. Donc, cette couleur-là existe pour de vrai, bien évidemment, dans la réalité. Ça fait un très joli mélange. J'aime beaucoup les chevaux gris comme ça. Généralement, c'est un gris pommelé qui a viré au gris clair. Ça fait vraiment très, très, très joli. Et Attaque Titan, pourquoi? Parce que je suis fan de l'Attaque des Titans. J'aurais pu l'appeler Eren, je l'aurais appelé Eren. J'aurais pu l'appeler Mikasa, je l'aurais appelé Mikasa. Et Tsukasa. No God! No God, please no! 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 Je sais, on a trop fait cette blague. Donc du coup, Attack Titan, à mon avis, je m'attends à tout, bah surtout que j'ai mes oreilles. Oh, si ça se tombe, je suis le Titan des reines. Donc du coup, pas grand-chose à dire, on connaît bien le modèle depuis le temps. Donc, il y aura sa petite sœur qui va arriver, qui s'appelle Légende. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir faire le récapépète. Pousse-toi, Maya, tu m'énerves.
Donc, au milieu de tout le monde, nous allons faire un récapépète. Donc, dans cet épisode 2, nous avons vu Ash, qui est un étalon maroï. Acacia, qui est une femelle zombie, qui est une femelle mocking, qui est un ongre yoga, qui est une ongre. Normalement, des stars, c'est une jument, mais pour moi, ce sera un ongre. Et Attack Titan, qui est un étalon. Donc, nous allons, dans l'épisode suivant, vous présenter Légende, qui est la petite sœur d'Attack Titan. Et dans l'épisode précédent, je vous avais présenté Butterfly. De ça, vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir. Donc du coup, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à très bientôt des gros bisous partout. Et bien évidemment, en gardant les distances de sécurité avec le Covid qui remonte. Donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Ou à la semaine prochaine, on ne sait pas trop comment ces épisodes vont sortir au moment où je vous les tourne. Mais dans tous les cas, ciao, bye bye et à bientôt.